été à leur place et j'aurais bien aimé avoir l'opportunité de disputer un tel tournoi parce qu'il y a énormément d'équipes et énormément de talent. Balle au pied, personne ne peut me stopper. Toujours heureux d'être là, de voir que les jeunes sont toujours présents et bien évidemment que faire des choses pour eux, c'est... Voilà, on a tous été à leur place un jour et ils ont la chance, j'espère qu'ils sont conscients de ça, que de pouvoir faire un événement comme ça à leur âge, c'est... Moi, à mon époque, j'ai pas eu la chance, donc voilà, c'est pas donné à tout le monde. C'est Rio, balle au pied, personne ne peut me stopper. Il y a des infrastructures, là il y a l'opportunité de peut-être se confronter aux meilleurs joueurs de 14-16 ans de la région. Bah souvent on a des rêves, là on peut se dire peut-être que j'ai les qualités, les capacités pour prétendre à une carrière. Dans le football, on retrouve les valeurs universelles. Le respect, la fraternité, la solidarité, la rigueur. Et je pense que les jeunes ont besoin d'être soutenus. Et aujourd'hui, ils ont la chance d'être dans la Pulstar et de continuer à montrer leur talent. Regardez-moi ça. Un âge où on a envie de jouer, on a envie d'avoir un rêve. Hein. Tu sais, y a le petit Ben Yedder qui était un peu dans cette. Qui est devenu footballeur professionnel, comme quoi le football en salle, ça permet aussi de découvrir des talents. C'est Luis Fernandez, balle au pied, personne ne peut me stopper. 14-15 ans, c'est encore l'âge pour progresser, pour devenir professionnel. Quand on a des recruteurs qui viennent, on veut toujours se montrer, on veut toujours tout donner. C'est très très bien pour les jeunes. Techniquement, il y avait vraiment du niveau et franchement, il y a eu du spectacle. On a vu pas mal de jeunes talents, c'était agréable à regarder. Ça fait plaisir de participer à des tournois comme ça. Bonne ambiance, bonne organisation, donc voilà, c'était super. Le fait d'être dans la salle, de jouer avec la semelle et tout ça, ça donne une beauté gestuelle qu'on aime tout le temps. Merci à vous d'avoir répondu présent encore une fois cette année. Ça fait pour moi la quatrième édition que je les soutiens plus tard. Et plus ça va, plus je vois que ça évolue bien. Il y a de plus en plus de noms. Ça fait 4 ans, on est là, on lâche pas. Là, on est ramené des nouveaux soldats. Ils sont arrivés, ils ont levé la coupe rapide, direct, ils sont là. Ça correspond à un réel besoin au niveau de la jeunesse, pas seulement la jeunesse ici en métropole, mais aussi dans les DOM. J'encourage et j'espère que pour de nombreuses années encore, le tournoi Impulstar pourra rassembler des jeunes. C'est Florent Malouda et comme d'habitude, dès que vous entendez parler d'Impulstar, balle au pied, personne ne peut me stopper.